J'ai trouvé dans le sable un caillou vert, l'ai posé sur ma langue pour qu'elle se taise. Je t'aime trop. Je n'ai pas 11 têtes, mais j'ai des yeux au bout des seins. Cela fait 3 têtes. J'ai encore des arbres nains qui me sortent par les oreilles. Voilà. Et je laisse la parole à Marie-Thérèse pour... Déjà ? Oui, déjà. Je reprendrai après. Corinne Abitte, c'était la femme de Maurice Chapat, qui était mon oncle, le frère aîné de mon père. Et c'était un couple d'écrivains. C'est assez rare. Et puis, ils ont fait toute une correspondance entre eux. Qui est réunie dans un livre, c'est une très belle histoire d'amour. Alors maintenant, je suis très, très contente de lire un texte de Julieta qui s'appelle « Cave ». Alors ça va bien, puisqu'on est ici, dans une cave. Alors je suis vigneronne, hein. mais j'aime beaucoup la littérature, j'adore la poésie, j'aime bien lire. Alors je vais essayer de lire avec... avec le cœur, le texte. Je dois vraiment parler là. C'est une cave, une petite pièce noire. Les pierres montent jusqu'au plafond. Cela fait des années que la porte est close, qu'on n'y entre plus, que les voix se sont tues. Avant, il y avait les éclats de rire, les tintements de verre. C'était l'époque des samedis soirs. On entrait par l'arrière de la maison. Une vieille porte grinçante dont le bois murmurait les changements de saison. On s'enfonçait sous terre. Des escaliers de pierre, aux profondeurs inégales, creusés par les pas alcoolisés de ses visiteurs. Je me souviens qu'on se faufilait puis s'entassait progressivement dans la cave. Georges, en perpétuel mouvement, brandissait son verre à chaque nouvelle arrivée, et nous, on acclamait. L'aménagement était pragmatique. Une ampoule au plafond, une collection de bouteilles encadrant les quatre murs, un grand tapis acheté aux puces, des tabourets. L'ampoule jaunie par les années nous empêchait tout rapport au temps. Il était toujours l'heure d'être éveillé. Si la fatigue pointait, Georges, qui avait le don de l'accueil, comme Raoul et Lisa, saisissait verre et bouteille et s'assurait du nécessaire. C'était aussi l'époque du jazz. On mangeait, transpirait, couchait jazz. Alors bien sûr qu'on avait voulu boire jazz dans la cave. C'était pas sans peine qu'on avait fait entrer la contrebasse et tout le reste des curieux. Je revois les mains de Georges autour de l'instrument, l'écarquillement de ses yeux suite au choc de la volute contre le cadre de la porte. La musicienne à l'extérieur par chance. Le concert avait commencé, emporté dans une transe, on oubliait que c'était pour Antruy et pas New York. Il avait recréé la niche de nos 20 ans. On pensait que ça durerait toujours, immortel. Je vais vous lire encore 3 poèmes de Corinne Abitte. «
L'ivrogne poète disait des jeunes garçons de mon village, on les boirait dans un verre d'eau. Le raisin est fait pour être mangé la nuit, au sommet d'une haute montagne. Les jardins et la tour de Babylone ne furent pas mieux construits que nos coteaux, ont dit les petits hommes. Le petit verger. C'est un petit verger au milieu de la ville, rempli d'ombelles et de pommiers. Certains soirs de printemps, ils se mettent à danser. Chaque fleur est un fantôme. Et les fantômes, le saviez-vous, aiment à s'amuser. Le joueur d'accordéon, dont la demeure est voisine, depuis longtemps, l'a deviné. Et maintenant, je vais vous lire deux poèmes que j'ai écrits. Je t'ai, je toi, comme deux lignes dos à dos, interrogeant la nuit. Ton murmure, aux racines du soleil, déterra ceux que le souffle des vagues a emportés. Une promesse à la vie, à son jeu, des jeux perdus aux ombres de notre reflet. L'orage, à l'aube du néant, se défait à travers les nuages. Escorté d'ombres lourdes, il défie la brillance de la pluie. La nuit claque comme un accident. Merci.